Philippe Dupuis, bonjour. Je suis très heureux Bonjour. de t'accueillir. Pour te présenter, tout d'abord, on connaît tous toute la série de Monsieur Jean avec Charles Derberian. Et puis, on peut parler de tes livres Futuropolis pour Futuropolis, Hanté, une élection américaine, bien sûr. Et puis, Les enfants pâles avec Kobe Fang, par exemple. Et puis, on parlera de ton dernier livre qui est sorti en mars. De cette année. Mais tout d'abord, j'ai envie de te poser une question qui moi, m'intéresse grandement, c'est l'acte de création. Comment tu vois ça? C'est quoi la création pour toi? Pour moi, la création, c'est quelque chose de vital. C'est ce qui me nourrit au quotidien, c'est ce qui me permet d'avancer, de pas, je dirais, de pas me scléroser. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie. J'ai coutume de dire que, et c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que même dans les moments les plus durs de la vie, tant que je continue à créer, c'est que je vais bien. Voilà. Même quand je vais très mal, si je crée, c'est que je vais bien. La bande dessinée, l'art, de manière générale, la création, pour moi, ce n'est pas un métier, même si c'est mon activité professionnelle. C'est vraiment quelque chose de très personnel qui me permet d'apprendre à me connaître, de ne pas rester figé dans un état, dans un moment. Et c'est aussi quelque chose qui me permet d'envisager mon rapport au monde qui m'entoure. Donc c'est pour ça que les choses ont énormément évolué pour moi dans mon travail. Toute cette période avec Charles Derberian que j'ai interrompue à un moment où certains d'ailleurs n'ont pas forcément compris. Mais c'est parce que j'avais peur de pas arriver dans le duo à faire tout ce que je voulais faire et que je voulais avoir du temps devant moi pour le faire. Parce que j'avais peur de tourner en rond, de bégayer d'une certaine manière. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir regarder autrement. Voilà, y a aucun reniement. Et je l'ai fait en essayant effectivement de prendre une toute autre direction. Et dans mon travail, en bande dessinée, mais aussi en installation, en exposition, en performance, c'est ça que je recherche. C'était ça aussi l'occasion, c'était de pouvoir aller dans d'autres domaines artistiques, travailler avec d'autres artistes. Et là, tu viens de sortir un livre qui s'appelle J'aurais voulu faire de la bande dessinée avec Dominique A. et Stéphane Oliva chez Futuropolis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre-là qui va aussi ressortir après le confinement dans les librairies? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? En fait, j'avais envie de parler de. Ça parle de création aussi. De toute façon, mon travail récent est beaucoup orienté vers ça, que je fasse une histoire de l'art aux éditions Air Libre ou ce livre chez Futuropolis. Il est question de cette création et de. C'est quelque chose, je pense, qui de toute façon peut intéresser aussi quelqu'un qui n'est pas un artiste, puisque je le relie à la vie, au questionnement de vie. Je pense que chacun dans sa vie, dans son travail, peut se poser la question de pourquoi il fait quelque chose, comment il fait quelque chose. J'avais remarqué depuis un moment que beaucoup d'autres artistes que je côtoyais, qui ne faisaient pas de bande dessinée, avaient à un moment caressé l'idée d'en faire. Et je me suis dit, il y a certainement un livre. Et donc j'ai eu cette idée de faire des entretiens pour parler de ça avec eux. Et du coup, dans le livre, j'ai fait aussi un auto-entretien. C'est-à-dire, je me parle à moi-même et je me pose un peu ces mêmes questions. Donc c'est avec, là, j'ai décidé de faire ça avec deux musiciens, Stéphane Oliva, qui est un pianiste de jazz, un improvisateur, et Dominica, qui est le chanteur. Donc on a pris le temps de parler de tout ça. Et c'était assez intéressant parce que dans leur démarche artistique, j'ai trouvé aussi ce qui faisait les artistes qu'ils sont aujourd'hui. Pour moi, c'est deux musiciens très narratifs. Donc avec Stéphane Oliva, on a beaucoup parlé de ce rapport de la musique au dessin, au trait, mais aussi pourquoi, par exemple, il est un improvisateur et pas un interprète. Parce que lui, il cherche à être dans ce qu'il appelle le faire,
et pas l'exécution. Et il y a, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les discussions après avec Dominique, quand on a parlé justement de savoir si on était des artisans, des amuseurs ou des gens qui distraient, ou est-ce qu'on est des artistes, est-ce qu'on, voilà, à qui on parle, comment on parle. Voilà, donc c'est un livre qui part de ça, qui part de la bande dessinée. C'est aussi un livre, j'avais envie de faire un livre sur la bande dessinée, en bande dessinée, d'où le titre qui est un petit peu ambigu, parce que j'ai toujours, et surtout aujourd'hui, je me pose pas mal de questions sur là où je me trouve par rapport au monde de la bande dessinée. Où en est la bande dessinée aujourd'hui? Comment elle est perçue? Et comment peut être perçu ce que je fais? Est-ce que c'est considéré comme de la bande dessinée? Moi, pour moi, je fais de la bande dessinée. Mais des fois, j'ai des réactions comme ça, même d'amis qui me disent « Oui, mais toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est… » Comment dirais-je que c'est… Voilà, donc j'aurais voulu faire de la bande dessinée, c'est ça. C'est un livre de questionnement avec peut-être dedans quelques pistes de réponse. J'invite donc les lecteurs et aux personnes intéressées de lire ce très beau livre « J'aurais voulu faire de la bande dessinée » publié chez Futuropolis. Merci beaucoup, Philippe Dupuis, de témoigner. En tout cas, on va suivre ton actualité avec un grand, grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.